avant de commencer à raconter, ça nous grand monde raconter nous, avant de commencer à parler, après nous dit merci. Merci pour nos papas qui nous ont moyens, nos grands-papas, nos grands-mamans moyens qui fait nous et puis qui brigandent dans la vie pour permettre nous d'arriver là à parler. Après nous dit merci aussi pour nos grands mondes, pour nos gangans qui, pendant combien d'années, milliers d'années, siècles, qui brigandent pour nous arriver à gagner droit d'y parler libre. Chose là, je dis merci. Et puis, je dis merci aussi pour ceux qui ont écouté Timoso Palom qui baille Zota. Mais en plus, je remercie spécial pour baille, pour mon association Espal qui laisse nous, Mouché Mayen qui laisse nous, ça fait 3-4 ans. Et puis, ça l'en a même, Mouché Robert Grégoire, qui était travaillé ensemble avec moi, qui Mouché Mayen, on a fait prendre fait qu'on a. Et puis, Mouché Popo, qui était ça nous grand monde, quand prendre nous travail à Rouman, qui est Yann Franche. Donc, a dit merci pour ça y montrer nous. Donc, a voyé force et courage pour y famille. Je vais parler avec Mouché Mayen, et puis, un jour, il dit moi comme ça, Blangnyan baye negya l'abolissement, il pas baye liberté. Alors, je calcule sur ça, je dis, qui façon il a dit ça? Il dit moi, oui, calculez bien. Ok, ouais, il baye l'abolissement, mais il pas baye liberté. Alors, moi, ça, c'est un an discours Blangnyan fait en 1848 pour l'abolissement, l'esclavage. Il dit à nous chez Parisé, et Blanc Colonia, là, qui a dirigé Colonia, il dit ça fait. Et place Zamondje, il dit, il fait un créole pour ne pas comprendre. Et là, quand il dit ça, il dit, il est libre, mais il n'est pas libre. Il est libre, mais il n'est pas droit, fait bâtir et prend la terre. Il est libre, mais pour y arrêter à l'habitation Blagnon, continuer le travail. Qui donc, à vrai, il dit, il est libre, mais il n'est pas libre, il n'est pas fait, il n'y a qu'à de volonté. Et en plus, il a dit qu'on s'assied, trapper un nègre qui a promené sous la rivière, et puis il n'a pas qu'à travailler de côté, il a frommé. Parce que ça l'a dit, il a vagabondé. Il a dit aussi, pour finir, qu'il y a bon Dieu qui baille sous l'ordre pour nous suivre, pour qu'il n'y ait pas de problème en colonie. Alors, qui donc, moi-même, qui a dit, bon, ben, à d'être ça vrai, il baille l'abolissement, il n'y a pas de liberté. En langue anglaise aussi, il y a fait différence entre liberty et puis freedom. Freedom ou libre ou faire ça ou les. Liberty à la loi, qui droit d'y faire, un bagage et un autre bagage. Alors, je prends ça comme une leçon pour nous-mêmes, en un pays. Et je répéter ça, mon cher Mayen, qui a dit, en un pays, je compte un coup de là. En 1848, Blangnyan était obligé de l'abolissement. Parce que Negia était marron tout partout, il était révolté tout partout, Haïti déjà indépendant. Qui donc il baille l'abolissement, mais il pas baille liberté. Et je compte un coup aujourd'hui là, et bien, sa liberté, il faut nous garder ça, nous faire pour nous gagner. Merci d'écouter moi.